Et salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode dans la Moria. Alors, on va aller se fabriquer l'armure de Belly Ghost. Alors déjà, on va regarder ce qu'il nous faut. Là, il nous faut 3, 5, 9, 9 lingots de chanor. Déjà, 9 lingots de chanor. Neuf. Ok, c'est bon. Ensuite, il nous faut quoi? Un, trois, sept, cuir. Je crois que j'en ai. Ouais. Ah non, pas tout. 7 cuirs. Ok. Et ensuite, il me faut 2, 6 et 9 tissus numé. Non, j'en ai déjà 3. 9. Bon, c'est pas grave. Je vais en faire 9. Ça va pas être compliqué, c'est là. Oh bah ça va, c'est facile. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Impec. Ok. Écoutez, hop, on y va. Profondeur inférieure 2. On va avoir une nouvelle armure. C'est top ça. On va avoir une nouvelle armure. Donc, c'est du niveau 3. Bon, ça c'est top. Et ben voilà. Et celle-là, c'est quoi? Deux bois du Sam, cuir. Ouais, on pourrait peut-être se la fabriquer au pire. On repart. Ok. On est bien. Alors. Ça. On va la mettre ici, ici. Par contre, j'ai pas le casque. Alors le casque, je vais le garder du coup. Soit je l'ai pas découvert. Ouais, j'ai pas dû le découvrir encore. Par contre, les gants, oui. Et les bottes, oui. On va colorer ça. En rouge, c'est pas mal. Teindre. Teindre. Et les bottes. Teindre. Allez hop, c'est bon. Inventaire. Ah oui, on est passé à 3. À 3 niveaux d'armure. Top ça. Tout est nickel. Et ben voilà, on a une nouvelle armure. Cool. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bon, ça c'est fait. Maintenant. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. À l'oublier. On doit y retourner. On a encore des zones à explorer. Et surtout, je crois qu'il va falloir descendre encore.
On va peut-être s'occuper de ça aujourd'hui. Descendre encore plus profondément. C'est pas que ça m'enchante. Mais bon, autant le faire maintenant. Hop. Allez. On y va. Je sais plus par où c'est. Ça doit être par là, je crois. Et ça se trouve, en descendant, on va peut-être trouver une nouvelle zone. Et c'est peut-être là qu'on va apprendre des nouvelles choses. Hop. On va profiter pour récupérer du bois, parce que j'en ai avoir besoin. Pour le coup. Prendre un truc sur la tronche encore. Hein. Enfin, me tomber dessus. Ça me suit, hein, c'est pas possible. Ça me suit. Je me rappelle plus où c'est. C'est par là, je crois. Non. Ah, mais il y a un camp par là, dites donc. Il y a un campement aussi. Ah. Mais je prends carrément. Très utile. Hein. Ah, journal d'exploration mine. Hein. Il me faudrait des pages. Ah mince. Faudrait qu'on aille chercher des pages dès qu'on pourra. Orcs, we got orcs. Ok. Bah écoutez, va falloir se battre. Il y a un camp. On y va. C'est parti. Hop. Enfin, lui par contre il a une bonne armure hein. On le voit direct. That's all you got. Oh bon. Aïe t'as un point, moi. Arrête-toi. Arrête. Ah. Peut-être détruire leur pilier là. Éviter qu'il repop. Voilà. On se calme le T là. Allez les enfants. Hop. P. Allez. T'as pas résisté. Pourquoi vous résistez? Vous savez que vous allez mourir de toute façon. Bah voilà la clé. On va récupérer. Yes. Ah non, pas yes, non. Non, non, bah non, pas yes. Du coup, une page sur... Je m'attendais à avoir des... Diamants noirs ou pierres noires, je sais plus comment on appelle ça. Hein. Mais non. Bah tant pis. On a un passage par ici. Non, pavé. Ça, ça, on va éclairer la zone. Oh, ça fait bizarre. On a un lit juste là. Est bien, ce qui est très très bien même. On a un petit coffre aussi. Je m'amuserai pas à mettre un téléporteur. Je
j'ai l'impression qu'on a... Hop. Le passage, soit il est par ici, ouais, il est par là. Toc. Voilà. Vite. Et on y va, c'est parti. Ouch, c'est pas la meilleure zone qui soit. Allez les araignées, on dégage. Elles prennent cher. Hein. Elles prennent cher, mais moi je prends les dégâts aussi. Wow. Chose à ramasser, tant mieux. Ok. Où est-ce que je suis encore tombé? Je peux aller par là. Éclairer la zone. Ah, il y a quelque chose là-bas, attendez. Oh, on a trouvé quelque chose. Ouais. Il y a une pierre ici. Hop. J'ai consommé pas mal de bois, je vais essayer d'en récupérer un peu. Hop. Ok. Alors, les runes gravées ici n'ont rien d'une écriture naine, ce sont les marques du magicien Tarkoum, que la plupart connaissent sous le nom de Gandalf. Il a probablement laissé ses signes dans l'espoir qu'un nain les trouve durant sa traversée de la Moria à la recherche de Traïn. Mais pourquoi? Quoi qu'il en soit, les marques de Gandalf pourraient bien contenir des indices, ce qui se tapit dans les ténèbres de la Moria. Voici ce qu'il écrit. Certains nains, ceux qu'ils peuvent être têtus et rancuniers, on ressent moins l'ombre ici car elle recule devant la magie elfique. Nulle trace de Traïn Gandalf. Un moyen de descendre dans la profondeur, l'air est teinté d'une légère odeur putride. Un sorcier recherche Traïn Gandalf. Ok. Ok, ok, ok. Donc ça, on l'a fait, donc c'est bon. On aurait un passage par là. Par là. Ah putain, ça me met. Je pense que c'est pas un raccourci d'ailleurs. Minerai de fer. On va voir. Hein. Bah, je suis en train de me demander. Il n'y a pas un truc là? Ça se trouve, ça serait un raccourci. Ah! Et franchement, je dis pas non. Bah, pour l'instant, niveau minerai, je suis pas en manque. On est où là? Ah, on est retombé par là. D'accord.
Il y a toujours un chemin par ici, donc en venant en arrière. C'est par ici qu'il faut qu'on aille après, hein. Malheureusement. Il faut qu'on trouve un moyen de descendre. Ça risque d'être assez long, donc on verra, on découvrira les sous-sols dans le prochain épisode. Là, par là, si je vais tout droit. Et je viens de par ici. Ok, oui. D'accord, oui, bah ça va en fait rejoindre l'autre partie en fait. Si je ne m'abuse, on va arriver dans une nouvelle zone. Ah, il y a une statue à construire. Un troll. Non, pas un troll. Non, je veux pas. Non plus, je suis fatigué. On a un lit ici, normalement. On va y dormir. Ouais, c'est le crépuscule. On va peut-être un peu... On vient de farmer un peu de bois, là. Non. Construit. D'ailleurs, j'ai récupéré deux pages. Il en manque trois. Là, morceau de bois. On fait un feu de camp. Parfait. Et on peut dormir. Alors, ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va combattre le troll? Ou est-ce qu'on suit notre objectif, c'est-à-dire descendre? Voilà, on va suivre notre objectif, on va descendre, on ira par là plus tard. Dans le prochain épisode. Ah non, il faut suivre l'objectif qu'on s'est fixé. Je dois descendre, on va descendre. Parce que ça va être long en plus à faire. Inventaire, manger. Ah, du crâne. Manger pour restaurer beaucoup de santé. Enfin, ça, on va les garder. Ça, par contre, c'est bien. Je vais pouvoir me faire de la nourriture, des graines. Champignons sont où, là? Allez, on continue. Et on va descendre. Alors. Est-ce que je peux sauter là? Oui, je peux sauter. Allez, hop, hop. Quel est le meilleur endroit pour commencer à descendre? Oh, je dirais que là, c'est pas mal du tout. En plus, il y a... Ouais, je pense, ouais. À mon avis, en passant ici... Je vais mettre une plateforme comme ça. Ah ouais, non, tu vas pas commencer à me poser des problèmes. Comme ça. Comme ça, on va descendre doucement. C'est chaud quand même, hein. Mais comme ça. Ça peut le faire, hein.
Hop. Comme ça. Si je mets une comme ça. Une comme ça. Là. Là. D'éclairer un peu aussi, ce serait pas mal. Ah. Pourquoi je peux pas là? Allez, monte. Hop. Et c'est pas mal ça. Voilà, ça éclaire, c'est bon. Ouais, si tu pouvais. Là, c'était bien là. Non, là, pas là. Là. Voilà. Et une autre là. Pourquoi ça va pas se placer correctement? Voilà. Voilà. Parfait. Ok, bah déjà, vous voyez, on a réussi à descendre jusque-là. Voilà. Après, on a un chemin qui mène là. Ça part ici. Et là, on peut descendre. Ah bah, il y a une échelle. Impec. Hop. Éclairer, hein. T'as besoin. C'est quoi? C'est quand même pas un monte charge, ça? Non. Non, je crois pas. On sait rien. Ok, allons par là. Alors, je vois des araignées. Si possible, pas de trous. Qu'est-ce qu'on a par là? Ah! C'est quoi ça?
On éclaire tant bien que mal. Hein. Oups. Salut les filles. Aïe, on m'a touché elle. Elle aussi. Ok. Ah mais il y en a une autre là-bas, d'accord, j'avais pas vu. C'est bon. On les a eu. Je vais me débarrasser de ça. Hop. Oh non, ça m'a fait quoi? Ah non, je crois que c'était la corruption. Ouf. Oh. Mon éclair. On va pas rien. Oh mince. Non, non, non. Ok, j'avais lancé une grosse attaque. C'est quoi ça? Oui, on voit. De l'étain, justement, tiens. Il m'en fallait. Justement, il m'en fallait. Et monte. Hop. Il y en a jusqu'en haut. Il faut faire attention à comment je vais farmer ça. Ouais, je pense qu'il faut que... Hop. Il y a toute une structure encore là. Ah mais il y en a une autre là. J'avais pas vu celle-là. Hop. Ça se complique, hein. Je peux pas creuser ça n'importe comment. There's a tavern in the deep, they say. Where the barkeep croons to a tune they play. Hum-di-ni-o-de-o, hum-di-ni-o-do. And once you know how the ditty goes, hum-di-ni-o-do means at the open door with a raven crest, you can sing for your supper and a good night's rest. Hum-di-ni-o-de-o, hum-di-ni-o-do. J'ai plus de place dans mon inventaire déjà. Ah, c'est pas sérieux ça. Je suis obligé de redescendre. Je suis obligé de redescendre, mince. Alors là j'ai un passage après qui me mène par ici et j'en ai un autre qui va par là. Alors, c'est
assez chaud. On va aller voir par là quand même. Ce qui nous attend. Bah rien par exemple. Non, il n'y a rien du tout en fait. Un jade. Ou une jade. Non, un jade. Je sais pas, bon, je sais même pas. En allant par ici. Là par là, je suis dans la même zone, on est d'accord. Ok. Et apparemment, on peut monter. Il n'y a rien. Il y a quelque chose, on dirait là-haut. Non. Ouf. Bon, c'était une vidéo exploration, hein. De toute façon, c'était sûr. Alors, attendez. Si par exemple je mettais une passerelle ici. Une autre là. Une autre là. Ah mince, j'ai pas vu. Bon, en tout cas, j'ai de l'étain à venir farmer ici. Je vais faire ça de mon côté. Mettre une autre passerelle là, au pire. Ok, qu'est-ce qu'on a par là? Ah. Granit, des pierres précieuses, ok. Ah mince. Eh oui, bah j'ai plus de place dans mon inventaire. Et bah voilà, j'en ai. Des œufs, cool. Allons voir par là. Ok, bah je peux déjà partir ici. Là j'ai quoi? J'ai du minerai de fer. Ok. Et c'est un vrai labyrinthe. Hein. Toc, toc, toc. Ouais, j'aurais peut-être pu passer par là en fait. Bon, mon inventaire est plein, faut que je reparte. Mais je me rappelle plus de la route. Par là, je crois. Ah oui, il faut remonter. On va peut-être continuer à visiter un peu. On a du charbon. Par là, on a de l'ombre. Oh, c'est bizarre.
que je peux essayer de passer en courant. Est-ce qu'on peut monter? Alors on va essayer de passer en courant. Ah ouais, je suis dans l'ombre, bah oui, je sais. Ouf. Ouais. Et alors le fait d'être passé par là me donne. Ah. Ok. B. Tac. Ben, au pire, hein, quand on pourra détruire tout ça. Je sais pas si on peut les détruire d'ailleurs. Là j'ai un petit passage qui me permet de revenir ici. Qui me permet de. Ah, j'ai plus de bois en plus. Et ouais. Ok. Voilà. On repart. Ouais, ça va. Je m'améliore sur mes constructions. Oula. Et voilà, il va faire nuit. Donc faut qu'on rentre à la base. Et puis je pense qu'on va arrêter ici. L'objectif a été accompli. Moi je vais avoir du farming à faire de mon côté. Et puis, je pense aussi que dans le prochain épisode, on va aller voir là où il y avait le troll. Ah, attendez. Non, je peux pas. Ok, bon. Pas grave. Ça se place un peu comme ça en vie, hein, j'ai l'impression. On retourne à la base, vite fait. Toc. Ça va, elle est pas loin. Il faut juste que je me rappelle le chemin, c'est tout. Il y a de la viande, non? C'est ça le plus dur, c'est le chemin en fait. Ouais, c'est par là. Ouais. Et après par là. Voilà, c'est ça. Bon bah écoutez, c'était une vidéo découverte, exploration je veux dire, donc on a encore découvert de nouvelles zones. Et c'est très bien. Moi je vais avoir du farming à faire un peu de mon côté. Et puis dans le prochain épisode, whoops, on va aller affronter ce fameux troll et on va aller voir ce qu'on va trouver encore dans cette nouvelle zone. Et il faudrait que je pense aussi à emmener des pages pour mettre dans le livre. Hop. J'ai beaucoup de choses à penser. Hein. Sachant que je vais pas le faire tout de suite. Hop, bah écoutez, on va arrêter ici. Ok, c'est bon, on a bien avancé, on progresse, on continue à visiter une nouvelle zone. On continue à avancer. Par contre, on n'est pas prêt d'avoir nos 20
Diamant noir. Malheureusement. Parce que là, on en a combien? 5? Ah ouais, ça va être chaud. Ça va être super chaud pour trouver tout ça. Hop. Je vais mettre ça là. Ça là. C'est bon. Et tout le reste, ça va aller ici. Il faut que je me débarrasse absolument de ça. Je le dis, mais... Hop. Et ça là. Parfait. Hop, là, je récupère et là, je relance. Parfait. Hop, je vais aller vider les pierres. C'est pas grave, j'en récupérerai s'il faut. Surtout en minant. Voilà, j'en garde un peu sur moi. Et on est pas mal. Je vais réparer mon armure. Comme ça, je serai prêt pour le prochain épisode. Ok. Parfait. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. On a continué à progresser. On continue à trouver une nouvelle zone. Donc c'est plutôt pas mal. Si on regarde bien la carte... Donc on va continuer à explorer ce coin-là. Et par contre, si on regarde bien la carte, et qu'on retourne dans ce secteur, ici il y a encore un passage qui sera à visiter. Il y a encore ce passage aussi là, donc ouais, on a encore des zones à explorer. Ça c'est quoi ici déjà? Porte de Durin. Ok, ouais, c'est plus bas en fait. Enfin, j'en sais rien, bref, peu importe, on verra. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, à me laisser un commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir. J'essaye de vous répondre rapidement, même si j'ai pas toujours le temps tout de suite. Mais bon, généralement, je réponds. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Portez-vous bien. Bye bye.